Yep Yep YouTube, c'est chez Loser. Eh ben, on est sur Shadow Warrior pour la suite du Let's Play. Précédente vidéo, on avait défoncé un boss ailé hein, qui faisait des dégâts électriques. Et du coup, on se retrouve dans le chapitre 12. Certains d'entre nous savent qu'il ne faut pas couper tous les ponts. Ah! Oh, un petit monde de neige, pas mal ça. Ça va chier ou tu fais chier? Je pense un petit peu des deux. Thank you, trouver le dernier morceau du sabre. Ok, eh ben, on est parti. Attends, pourquoi ils me permettent de passer par là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Yes! Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Attends, il est bugué le machin ou quoi? Ouais, ouais, ouais. Il m'a l'air d'être, je sais pas, bizarroïde le truc, parce que je lui ai mis quand même pas mal de cartouches en pleine bouche. Mais est-ce qu'il faut... Attends. On va regarder si je peux passer par là. Non. Non, non, mais d'accord, bah, s'il faut, c'est le chemin, hein. Tout à fait, Thierry. Ah, j'aurais cru qu'il fallait rentrer dans ce bunker, là. Mais que dalle. Bon. Toi, tu me commences à me gonfler. Je vais te cramer les poils du nez. Non, mais je te vois, là. Je te vois. Voilà, je te vois. Et là, tu vas crever. D'accord ? Pas me faire chier longtemps, je te le dis. Ok, le petit lapin, tu veux que je te crame les poils? Ah ah. Un engin motorisé, même plusieurs. Style de grosse... truc à neige, là. Ok, on a des boucliers. Moi, j'aime bien le bonhomme de neige. Par contre, non, je peux pas le péter le cœur là. Ah ouais, d'accord. C'est pas mal ça. Toi, je te vois là. Je te vois, mon gars. Attends, parce que... On les voit pas bien, ceux-là, là, j'ai l'impression qu'ils sont à moitié invisibles. Ils sont pas encore morts? Putain, ah, je les crame complètement là! Oh, je vais en faire deux merguez! Et encore des merguez bien cuites, hein! Allez! Les mises boucliers!
En voilà un en moins. Et le deuxième. Bye bye. Putain, mais ces limites, ils se font écorcher vif, hein. Je peux y taper dedans dans le truc là, non? Ah ouais, ils se font complètement bouffer et tout, hein. Et il me manque une carte. Il me faut une carte de sécurité. Ouais. Où je vais trouver ça? Attends, je regarde s'il y aurait un petit truc qui brille. C'est quoi ça? C'est... Ouais, je sais pas, un morceau de je sais pas quoi. Où pourrait être cette carte de sécurité? Moi, j'aurais dit sur le mec, là. Enfin, sur ce qu'il en reste, plutôt, mais non, ça a pas l'air. Là-dedans, donc, il n'y a rien. Bon, ça commence mal. Ça commence très très mal. Car je ne vois pas du tout où est... Où peut être cette carte de sécurité. Oh, ça serait pas... Non, elle doit être dans les parages, hein. Mais où? Bon, ici, ça sert à rien d'y aller. Là, là, sur... Ben voilà, sur le Maccabée. Tout simplement. Faut regarder, mon gars. Achète, remets tes grosses lunettes. Ok, on rentre dans le complexe. Non, non, j'ai pas envie de prendre mon truc. Voilà. Ben... Ah putain, j'ai plus de balles. Et oui, puisqu'avec le boss... Du coup, j'ai vraiment utilisé beaucoup de matos. Bon, on va en récupérer peut-être un peu, hein. Pire des cas, j'achèterai, hein. On va voir déjà ce que je peux récupérer. Là, il y a l'air d'y avoir quand même des petits trucs. Alors. Ok, de la thune. De la thune aussi. Hop, un petit secret. Cool. Alors, être c'est agir, Socrate. Agir c'est être, Sartre. J'agis donc je suis, Wang. Ouais. J'ai bien l'impression qu'on est des gros philosophes. Allez, ça marche. Petit inventaire de notre... de notre armement. C'est pas mal tout ça. C'est même pas mal du tout. Bah, je m'attendais à bien, bien moins de choses que ça. Donc ça fait plaisir.
Non, franchement, il est sympa ce jeu, hein. Il est vraiment sympa. Voilà. Je vais récupérer ça plutôt. Hein, voilà. De ce côté, je suis bloqué. Je pense qu'on va avancer avec ce style de mécanisme là, donc autant se mettre en full. Système de transport automatique de Zilla. Ouais, d'accord. Température extérieure, moins 15 degrés, ah oui, quand même. Ça caillote les miches. Ouais, mais là j'ai pas trop le temps de t'écouter, hein, chère demoiselle, parce que je suis en train de me prendre. Une ribambelle de dégâts, j'aurais dû mieux me placer, j'ai eu du bol là. J'ai eu de la chance. Voilà. Ok. Bon, je préfère sortir de ce bourbier à merde. Et plutôt fouiller un petit peu. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais, là franchement, tu peux faire ton stock, tu peux refaire complètement ton stock. Hein. 90 000, 94 000. C'est quoi ça? C'est des containers bizarroïdes. Il y a des expériences ici aussi. J'ai bien l'impression. C'est chelou. Du coup, alors toi mon pauvre, tu t'es fait encore ramasser la gueule. Ouais. Je vois pas trop où il faut aller là. En extérieur. La musique est cool, hein, j'aime bien. J'aime bien, mais j'aime bien me trouver mon petit chemin. Il faut que je réactionne quelque chose là? Non. Ici donc, non, de toute façon, on verrait quelque chose de particulier. Fermé visiblement, ouais, ça c'est clair que c'est fermé. Donc il y a un petit interrupteur peut-être au niveau des commandes là, il y aurait un ordinateur à actionner, quelque chose. Tiens, ça là. Détecte mon œil. Ah, te voilà, petite pute.
chartered a helicopter. You chartered? Things got pretty hairy at the shipyard, sir. Did you see Kiyokagami? I haven't been able to raise them at all. We got separated. God damn it! These creatures are everywhere. All my men are gone. Are you concerned about the sword, sir? I have two of them here. You have what? I was able to... Ah ouais, ça y est, la manga. Tu reprends confiance, là. If we survive this, I'm going ouais, ouais, un homme très riche, mais attends, attends. Je pense que tu veux... Finally, one thing in this godforsaken world goes my... No! It's gone into quarantine. Find someone with override clearance. Yes, sir. Non, non, moi je te fais pas confiance du tout. Levez la quarantaine. Ah oh ouais, je vais retourner le couteau dans la plaie. Oui, et toi t'as une famille de déglingués, mon gars. De déglingos. Qu'est-ce que c'est ça, une sulfateuse? Utiliser une mitrailleuse lourde pour détruire la végétation luxuriante. Ok. Je vais quand même aller vérifier. Par là, là, il n'y a rien. Faudrait pas qu'il y ait quelques monstres qui me tombent derrière les oreilles. Allez, sulfateuse. On va nettoyer tout ça, bon, je vous le dis. Ça va chier, putain. Non, non, les gars, avec ma sulfateuse au petit bouclier, ils vont pas faire long feu. Ça fait mal, les gars. Hein, ah, c'est clair que la sulfateuse, ça fait du bruit, mais ça dérouille. Hein, ça dérouille et ça dérouille sévère. C'est ça qu'on aime. De ce côté là. Quelque chose d'intéressant peut-être. C'est jamais parce que tout ça je l'ai pas visité tout ça. Oui ou non? Non non non. Que dalle. Et autant se faire plaise. Ah, c'est quoi ça? Une infirmerie? Hop! Un petit peu d'argent. Ouais, ouais, on dirait un style d'infirmerie. Hop, vas-y, infirmerie avec... Avec du matos quand même, hein. Oui, parce que j'ai fait tout avec le truc mécanisé là. Je sais pas du tout si je suis dans la bonne direction là. Non, attends. Ça c'est fermé. Il y a peut-être un mécanisme à ouvrir pour ouvrir ces portes là. Un interrupteur, un truc comme ça qui fera bien survenir sûrement des monstres, j'imagine bien. Je vais regarder vite fait. Tac tac tac, l'onde de choc connue. Allez hop, on va prendre ça. Ici. 0 points karma. Bon, bah ok.
J'aurais cru que j'en avais chopé un peu, j'aurais bien pris de l'endurance en plus. Bon, donc la sulfateuse, ici, on va aller donc déjà fouiller de ce côté. C'est bizarre qu'il y ait si peu de... Enfin, il y avait quelques monstres, mais... C'est quoi ça? Non, j'ai vu un truc qui clignotait. Bon, c'était du soin, mais le soin, on en a assez. Là, ce qui m'intéresse, c'est de la thune. L'armement, on commence à être bientôt blindé. Ouais, ouais, ouais. On a déjà des armes maxées. Donc c'est cool. Et là du coup, ça serait ça la suite. Ah, je sors là. Bon. Science in action. Love. Ouais. Il y a l'air d'y avoir plein de vautours partout là. Donc on va s'en débarrasser. Voilà, bien paqué comme ça. Ok, j'ai vu un gros malabar. Regarde ma petite roquette. Tu vas les aimer, je te le dis, moi. Mais oui, tu vas l'aimer. Ça c'est fait. Alors. Là ils sont quand même nombreux. On va y remettre un petit coup de roquette, hein. Voilà les gars. Non, par contre là, hop, je vais me dégager un peu. Boum. Et boum. Et voilà un petit peu les dégâts que ça fait. Putain, dis donc, ils sont pas en bonus de karma. Pas ultra généreux, et je pense que ça doit être lié au mode de difficulté. Plus tu dois monter en mode de difficulté, plus tu dois gagner de karma, je pense, hein. Alors attends, parce que là du coup il y a ici, j'y ai accès. Are true. What rumors? People said Zilla had some fortress way up in the mountains. They said he had alien spacecraft, missing evidence from the Kennedy assassination. No one ever found it though. Des vaisseaux extraterrestres? He is a stickler for security. You have to have standards. Ouais, bah à mon avis, c'est bizarre qu'il y ait des monstres là-dedans. Tout ça va s'ouvrir là, hein, ces trucs là. Il va y avoir un dispositif de sécurité à mon avis qui va faire que tout va s'ouvrir. Attends, je vais regarder parce qu'il y avait également un passage ici. Est-ce que je peux y accéder ou pas?
Ouais. D'accord. Donc là, de toute façon, c'est inaccessible. Bon. Est-ce qu'il y avait d'autres? On dirait un style de serre bizarroïde ici. Bon, bah du coup, c'est par là. Donc là, lui, là. Ouais, de toute façon, il y a des vitres blindées. Donc ça sert strictement à rien de bouffer mes bastos. Nous allons avancer. On va laisser tout au sol parce que si on doit... Ah, j'ai failli prendre une bonbonne en pleine tronche. Oh oh. What the hell were they trying to make in here? Ah, qu'est-ce qu'ils essaient de fabriquer? Bah, je me le pose la même question que toi. Mais là, il y a des expériences de fait. Hein. Je peux y aller là? Non, non. Il y a du monstre un petit peu partout là. Hein. Ouais, j'ai bien l'impression qu'au bout d'un moment, tout ça, ça va s'ouvrir. Hein. Ouais, ouais, ouais. Laboratoire, area, pas mal de petites expérimentations, hein. Donc là, c'est de là où on vient, j'imagine. Donc, on va prendre l'étage, hein. Attends. J'ai pas vu, il y a un passage, là. Est-ce que je peux... Arrow Dave 69. Ah. Ouais, je sais pas si ça se casse ça ou pas. Dans le doute. Il y a une console par là. Je vais regarder de tous les côtés. Donc j'imagine que la console va sûrement ouvrir tout. Il y a de grandes chances. Bon, bah allez. On y va. Attends, elle était où là? Comme par hasard, elle est sur la glace là. Trouver le professeur. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais à mon avis, ça sent pas bon. Ça ne sent pas bon du tout. Ah, je peux me dégager d'ici. Ouais, ok, d'accord. Donc, tout est contaminé en contrebas. Il faut que je trouve le professeur. Hein. Voilà, bien groupir, bien groupir. Tacos, ouais, des petits tacos, c'est ce que je suis en train de prendre là.
J'ai pris un tacos là. Ok. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Allez les gars, terminez la rigolade. Je vais vous défourailler un par un. Toi, t'aurais dû ne pas bouger. T'aurais dû faire coucou, Chepanier. J'ai combien? J'ai 213. Ouais. D'accord. Un masque à gaz. Ouais. Ok. Masque à gaz. On dirait que j'ai des lunettes à Batman. Oh merde, putain, j'ai acheté ça comme par hasard. Il me file un max de mun maintenant. J'ai trop de bol. Ça par contre, je la veux. Ouais, là, ils m'ont filé pas mal de trucs. Rapide inventaire. Comme ça, on va se mettre en recharge complète. C'est bon, on a notre masque à gaz. Avec ça, aucune odeur toxique ne nous posera de problème. Ouais. Voilà. Salut les gars. Ah ouais. Ok. Oh, pop, pop. Molo, il y en a deux là. Ouais, attends. Et vous calmez les... Vous calmez les deux bourrins là. Calmez-vous les deux bourrins. On va déjà s'occuper des ptios là, hein. Ouais. Non mais... Ah, je vais te les péter les œufs que t'as sur le dos, moi. En parlant de ça, je viens juste de bouffer des œufs ce soir. Ça me donne pas envie, là. Hein. Donne une sensation de gerbe. Oh, vas-y, tire. J'appuie sur la gâchette pourtant. Hein. Allez, il y a ton pote qui arrive. On l'appelle Bolos 2. Ça fait mal l'arbre, hein. Ouais, t'es un petit peu bébête, toi. Oh bien. Il est peut-être un petit peu moins con que je le pensais, lui. Ok, là par contre, je sais pas ce qu'il m'a mis, mais... Il m'a mis une belle dose. Je me souviens plus où il y avait des soins. Tiens, là. On prend ça.
immune. Bon, on n'est pas trop trop dégueu. Ok, il y en a un qui est bye bye. Attends, voilà ça. Là par contre. Allez, je vais te mettre une ribambelle de bastos. Ah ouais, jamais de dos comme ça. Ah putain, je me prends l'arbre. Allez, tu me vois là? Ok. C'est réglé. Bon, du coup, ici là, et eh oui, tout c'est ouvert là. Ça sent le pet de bébé. Je pense, putain, si t'as un bébé qui fait un pet comme ça, je peux t'affirmer que là, il va voir directement le toubib. Il a un petit problème à l'estomac, ainsi qu'aux intestins, et il a peut-être l'anus bouché. Parce que là. Je dirais que c'est pas des pets là qui peuvent donner une toxification comme ça. Mais pourtant il y avait des monstres tout à l'heure dedans là. Nous devons trouver le professeur. Attends, tu te calmes toi, d'accord? Non mais l'autre il branle rien, il est en train de se gratter les robignoles, c'est. Il se dit tiens combien j'ai de poils aux couilles. L'impression que j'en ai 3 ou 4 qu'on poussait. Et il va me donner des ordres, ce petit fioti. Oh là là, dis donc. C'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Ouais. On va continuer par là. Ah ben voilà. On a du monde là. Qui est en train de cramer. Comme des vieilles grosses merguez. Attends. Hop. Good night. Voilà. Good night. Bambinos. Muchachos. Tiens. Oh, j'aime bien leur mettre des grands coups de pieux comme ça. Oh putain. Voilà, franchement l'arbalète elle est jouissive quand tu les embroches comme ça. Mais j'avoue que je préfère mon petit PM hein. De toute façon ça se voit, je joue beaucoup avec. Ouais, rien. Ouais, c'est style de bureau par là. Ici. On est à combien? 9000 encore. Donc de ce côté, là j'y suis pas allé. Et au fond là-bas, je vais faire un tour par là. Bon, franchement, là tu te mets bien à niveau matos hein. Tu te mets bien. Je cherche un peu, franchement c'est easy. Oh, regarde, ah ouais d'accord, là c'était là où j'étais allé, ça marche. Donc là maintenant, ouais, ça y est, je me repère. Je me repère, sauf que là, tout était fermé précédemment. Ah mais t'es pas mort toi?
Ouais. Oh, je vais aller fouiller un petit peu partout, hein. On va dégommer tout, hein, de toute façon. Hein. Ah, je préfère rester avec un seul gun. Histoire de... de bouffer un petit peu moins de balles. Ouais, il y aurait déjà plus de monstres. J'en demande. Hop. Ah ouais. J'ai le passe-partout, moi. Est-ce qu'il y aurait quelque chose nous permettant de... d'enlever tout ce truc à merde là? Tout ce gaz toxique? Je sais pas. Je sais pas trop où il faut que j'aille là. Attends. Trouver le professeur. Ouais, mais mon petit professeur, là, je te vois mal ici, professeur, là. C'est pas possible, là, à moins qu'il ait un masque à gaz, ou qu'il ait en... qu'il ait complètement transformé en mutant. Là. C'est pas avec mon casque que ça va me changer quelque chose. Professeur Dingos, t'es ouf. Bah, je ne sais pas où tu es, le professeur Dingos. J'en ai aucune idée. Ouais. Encore un petit secret de trouvé. Ok, de la thune, c'est bien. Le professeur. Ici, là, exit. Oui, mais... exit, que dalle. Bon, en tout cas, ça m'excite pas. Non, là, je retombe ici. J'ai nettoyé toute cette partie. C'est ça qui m'intrigue, là. Je peux pas... je peux pas ouvrir cette porte. J'en suis sûr que... il va falloir que je récupère l'œil du professeur. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, s'il faut, il est complètement explosé, hein, le professeur, hein. Il est peut-être complètement éclaté, hein. Qui sait? Ouais, non, parce que des cartouches et tout, ok, ça va, c'est bon, hein. De la thune et tout, c'est bien. C'est bien, mais le professeur, là, je vois pas du tout où il peut être. J'ai quand même fouillé tout. Enfin, une bonne partie. Alors, attends. On va essayer de réfléchir. Je vais retourner un petit peu au début. Et... repartir en hauteur. Alors. L'escalier est là. Attends, parce que moi... j'y suis allé, là. C'est bloqué. Parce qu'il y a... là, ok, d'accord.
Et en hauteur, je me rappelle, donc on pouvait partir vers... vers l'extérieur, hein. Putain, c'était ouf. C'était où cette merde? C'était là, hein. Non, non, mais c'est bloqué, hein. Je vois pas. Je ne vois pas. Mais no panique. No stress. On va trouver. Ça prend du temps, mais c'est pas grave. Ouais, bon, je pense pas que c'est dans la partie haute, là. Donc, à mon avis, il y a peut-être un passage. Donc, ici, c'est bloqué, hein, il n'y a rien. Il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a que dalle. Ensuite, là, c'est le truc avec sûrement la tête du professeur ou un code ou je sais pas. Ok. Ensuite, là, il n'y a rien du tout. Putain, mais t'es où, professeur? Et là, j'ai fait le tour, hein. Complètement. Il y a peut-être qu'une chose, hein, à chercher, à trouver. Que non, ça c'est que des munes ou de la thune, mais franchement non, je vois rien de particulier. Attends, à moins que je puisse trouver quelque chose là-dedans. Non plus. Ben, je ne sais pas, je ne sais. Attends, peut-être cette serre là. J'y suis allé là-dedans. Ça serait lui le professeur? Putain, c'était lui le professeur. Là je peux ouvrir le portail, bien sûr. Bien évidemment que je peux ouvrir, puisque là j'ai sa tête. Donc du coup sa tête égale son œil. Là, ici, là. Voilà. Allez, tu l'as vu, mon grenouille. The only thing worse than a friend who tells bad jokes is a friend who tells bad jokes inside your head. Did you just say we were friends? Best friends? If I killed myself, would it kill you too? Please say yes. 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 Bon, on s'en fout de tes yes. Bon, allez, je pense que je vais peut-être pas fouiller tout. Alors, pourquoi je fouille tout? Parce que je me dis, déjà, un, la thune, et si on tombe sur une zone vraiment coriace, etc., ça peut toujours être sympathique d'avoir de la thune pour se maximiser en armes. Voilà. Globalement, c'est pour ça que je fouille vraiment tout. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de tomber sur... un endroit vraiment chaud de night. Attends, je suis revenu en arrière là. Ou c'est un autre non, ça a l'air d'être un autre bloc. Oh putain. Alors attends, de toute façon je vais voir vu que j'avais quand même fouillé. Ouais, c'est un autre bloc ça. Complètement. Alors, vous allez dégommer le professeur, les mecs. Maintenant, je vais vous dégommer la gueule.
Je vais vous affirmer que je vais tellement vous faire mal que votre mère va même pas vous reconnaître. Et de toute façon, il n'y a pas de problème. Hein. Vu la gueule que vous avez, elle vous reconnaîtra quand même pas. Même si on vous tabasse la gueule. Ok. Allez, là je les ai mis un petit peu tous paquets comme ça. Voilà. Par contre, je vois peut-être pas trop ce qui peut m'arriver dans le dos. Donc, je vais me replacer par là. Voilà. Et maintenant, on va se soigner. Alors. Il en reste encore beaucoup des bouboules comme ça? Oh, dommage, j'ai pas eu le temps. Voilà, c'est bon ça. Faut que je fasse quoi là? Retourner ouvrir le portail. C'est-à-dire le portail. Lequel portail? J'en ai aucune idée moi. Non mais les gars. Alors là, je vais tourner en rond. Parce que le portail... Je ne vois pas du tout. Quel portail il parle là? Alors là. Là, ce mécanisme-là, il y a un truc qu'on pourra actionner, je sais pas. Non, ça n'a pas l'air. J'ai pas vu de portail particulier, moi. Hein. J'ai bien l'impression que c'est ça, là. Ah, peut-être. Voilà. C'est quoi ce truc? Ah d'accord, j'ai enlevé le masque. Bon. Si j'ai enlevé mon masque, c'est que ça commence à sentir bon. Tiens. Voilà, bouffe. Ça paraît vite, mais... Et tu vas disparaître vite aussi. Attends. Vous calmez, vous, là. Allez, je me méfie de ce vraiment au... Dégage, toi. Ouais. Eux, franchement, ils sont ultra violents. Dégage avec ton grappe de merde. Ok, lui il est dead. Attends. Il n'y en a pas un autre là? Ici, il était pas complètement mort lui. Allez, mais... Putain, mais... Merci. Ah, et là, ce qui serait pas mal... c'est déjà un, je me soigne. Non, lui il est trop solide. Pour l'instant je l'aurai pas. Par contre, ça je vais aller me le chercher. Voilà. Alors,
On est parti pour les petites roquettes. Hein. Voilà. Oh, t'es pas encore mort? Mais t'es vraiment une sale petite pute! Je t'ai vu, toi. Je t'ai vu et je vais te cramer. Putain, la hache, elle est en lévitation. Hein, je te vois, là. Je te vois. T'es en train de cramer, là, hein? Oh, c'est sympathique là. Alors, Confucius a dit qu'il était facile de haïr et difficile d'aimer. Frankie a dit relax. Non, petite salle de jeu là, je vais seulement récupérer. Voilà, file-moi une petite bonbonne. Ah, ils se mettent bien hein, quand même. Hein. Petite salle de jeu, petit truc de canette, les beaux petits fauteuils. Pas mal les mecs. Pas mal, pas mal. Du coup, je crois que c'était cette ici que ça... Non, 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 moi je viens d'ici. C'est quoi qui s'est ouvert là? Je crois que c'était là, là. Pas. Je vais par là. J'ai bien l'impression que c'était toute la partie. Encore un secret trouvé. Je suis pas sûr qu'on soit dans la bonne direction là. Ça, c'est ce qu'on a explosé quand on était avec le truc motorisé là. Bon, ok. Donc du coup, il y a rien par là. Donc je suis pas dans la bonne direction. J'ai trouvé le secret, c'est bien. Mais mais globalement, je vois pas trop où faut aller là. Qu'est-ce qu'on me demande? Retourner. Ouais, j'ai mon compteur là. J'ai mon. Faut que j'ouvre le portail. Franchement, moi, j'irai par ici là. Je tirerai par là. Ouais, et par là, c'est un cul-de-sac. Putain, c'est un peu... Ouais, quand t'as pas vu un truc... aïe, aïe, aïe. Hein. Façon retourner hein. Globalement la sulfateuse attends hop I really hope this works. Pourvu que ça marche. Là, je suis quasiment au début du niveau là. J'ai pas vu de portail, de trucs particuliers. Avec la tête là? Ouais, c'était là, d'accord. D'accord, d'accord. Bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et du coup, ouais. Ah bah, d'accord. J'étais quasiment à la fin de la mission. Bon, ça marche. Ok. Ok, ok, bon.
59 minutes 59 secondes. Bon, de toute façon, ça faisait une heure pile de vidéo. Bon, bah, ça marche. Ok. Bah, voilà. Une mission de plus de terminée. Eh bah, du coup, comme d'habitude, on se revoit pour le prochain chapitre, du coup, dans une prochaine vidéo. Allez, sur ce, je vous dis ciao ciao à tous.